Hey, bonjour à tous les amis, c'est Armstrong, donc j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, petite vidéo unboxing où j'ai reçu le colis il n'y a pas longtemps. Donc mon premier colis, j'en attends deux. Donc c'est un bureau gaming de marque IA et Tech. Donc il fait 110 cm de long sur 70 de large. Bon bah la valeur, je vous le dis, mais bon, c'est pas très important. Donc je l'ai eu à 102 euros. Donc voilà. Donc, on va ouvrir. Donc, j'espère que vous serez indulgent avec moi. C'est la première fois que je fais ça. Donc, soyez indulgent. Je vais ouvrir le colis. On va tout déballer. Et après, je le montrerai. Donc, je ne sais pas si je filmerai ou si je vous montrerai le. Parce que bon, c'est pas très. Je pense pas que le montage est très important. Donc, je vous montrerai le produit final. Donc, voilà. C'est parti. On va ouvrir le colis. Alors, donc, je pense que le plus simple, si j'ai regardé un petit peu avant, c'est tout simplement. Donc je vais essayer de rien abîmer. Je vais aller tout doucement. Alors. Vous voyez, quand c'est des petits colis, du coup, ça va être plus facile de faire des vidéos unboxing. J'aurais dû le dire avant. Voilà, donc ça va être pas mal. Donc comme vous voyez, j'ai mis mon petit Switch Xbox comme promis. Alors, ma merveille est là. Donc le petit plan qui me servira. Donc voilà, ça ressemble à ça. De toute façon, je vous mettrai la photo du produit sur la miniature YouTube. Donc ça, c'est quoi? Je ne sais pas. On verra. Alors là, on a des armatures qui sont super bien emballées. Donc c'est pas du super matériel non plus, je pense pas, mais c'est quand même. L'emballage est bien fait. Il y a des protections partout. Donc c'est quand même super cool. Il y a des petits coins. Hop. Donc ça, c'est tout du petit matériel parce qu'il y a pas mal de. Il y a un support manette. C'est qu'on peut mettre des jeux. Il y a un support casque. Un support tablette, je crois. Il y a un autre support, je ne sais plus, mais il y a quatre. Enfin, c'est des petites options, après, je ne sais pas si je les mettrai tous. Et il y a une tablette pour relever l'écran. Parce que là, du coup, moi, je ne vais pas avoir d'écran tout de suite, je vais garder ma télé. Donc, ça va être assez. La télé va être assez conséquente pour le bureau. Mais bon, tant que j'ai pas une. Tant que j'ai pas la PS5, je vais rester comme ça, j'achèterai un moniteur plus tard. Alors, ça, bon, bah, j'imagine. C'est tout ce qui est renfort transversal. Donc voilà, c'est quand même bien emballé. Voilà. Ça, c'est la petite tablette pour poser l'écran. Je pose sur le carton. Et là, on a la tablette. Voilà, bon, il n'y a pas 50 000 pièces non plus. Donc voilà, c'est super mal emballé. Papier bulle. Polystyrène. Donc non, mais c'est top. Donc voilà. Voilà mon futur bureau qui fait. Hein. Je peux m'amuser à péter le papier bulle, c'est cool. Et voilà. Donc le bureau gaming. Ce que je vais faire, les amis. Donc voilà, mon unboxing est fait. Je vais le monter. Je vais le monter. Donc voilà, le colis est vide. Donc je vais monter mon bureau gaming et on verra. Je vous mettrai le résultat du bureau. Je ne sais pas si je vais me filmer au montage, à mon avis ça va pas être très intéressant pour vous. Donc je vais au pire je vous expliquerai grosso modo s'il y a des trucs importants pour le montage. Mais je vais faire le montage et je vous remets après le résultat final. Et je vous dis à très vite. Et voilà les amis, mon bureau est monté. Donc j'ai mis environ 35 minutes. Par contre, j'ai totalement oublié de vous préciser que j'avais commandé sur Amazon. Voilà, j'ai complètement oublié dans la partie unboxing. Donc je l'ai commandé à Amazon, ça a mis quelques jours. Donc comme d'habitude, Amazon, c'est toujours rapide comme l'éclair la plupart du temps. Donc voilà, donc j'ai mis 35 minutes à monter le bureau. J'ai perdu plus de temps, on va dire. Pardon, j'ai un peu bougé. J'ai perdu plus de temps
avec les petites bricoles à monter à droite à gauche que le bureau en lui-même. Donc c'est vraiment facile. Il y a 4 vis par-ci, 4 vis par-là. En plus, j'ai une visseuse électrique, donc ça va tout seul. Sinon, il y a une petite clé Allen qui est fournie avec. Il manquait rien. Donc voilà, au top. Le petit rouleau que j'ai enlevé du carton au début, en fait, j'avais complètement oublié, il y a un tapis, un genre d'énorme tapis pour le souris clavier qui est livré avec. Donc c'était ça, le petit truc noir et enroulé qu'on avait au début de l'unboxing. Donc voilà, j'ai mis un petit gobelet, donc petit clin d'œil à la femme de mon beau-frère qui travaille à Starbucks. Voilà, j'ai mis un petit gobelet Starbucks si elle voit cette vidéo. Donc on a un petit porte sur la gauche, tablette ou téléphone. Donc c'est toujours cool. Donc voilà, le téléphone du coup il prend pas de place. Ou la tablette pour ceux qui font du stream, qui ont leur le chat sur la tablette, donc ça peut être une idée. Après, pour les téléphones, au lieu de les poser sur le bureau, on peut poser notre téléphone donc sur cette petite tablette. Donc c'est cool. Donc la tablette à écran que je vais devoir, je pense, consolider parce que c'est pas que c'est pas solide, mais bon, moi je vais pas poser un moniteur pour l'instant, je vais poser une télé. Même si elle n'est pas super lourde, je pense que je vais essayer quand même de mettre une cale. Je vais essayer de trouver. Je pensais mettre des jeux en dessous, mais du coup, les jeux à 1 cm près, ils passent pas. Donc tant pis, je trouverai une autre solution. Et le petit. Donc ça c'est pas fixé, hein, on peut le mettre n'importe où. Petit élément où on peut mettre quelques jeux et une manette, ou même voire 2 manettes, je crois. Si on met comme ça, on peut mettre 2 manettes. Et sur la droite, là, on voit une petite accroche pour mettre le casque. Donc voilà. Je suis content, j'attends la suite. Donc, dans peut-être demain ou après-demain, j'aurai normalement un autre colis et je vous referai un unboxing. Donc, j'imagine que vous vous doutez un peu de ce que c'est pour la suite qui va avec le bureau gaming. Donc, voilà, je vous en dis pas plus. Donc, j'espère que ça vous a plu, que mon bureau vous le trouvez sympa. Moi, je le trouve super sympa. J'ai hâte de faire mes premières vidéos avec. Enfin, j'attends le reste, mais je vais commencer à installer mon petit coin. Et j'ai hâte de faire mes premières vidéos dans mon nouveau petit coin gaming. Donc voilà. Ah bah je vous dis à très vite. Bye bye.